Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouveau let's play. Un nouveau let's play officiel. Donc attention, il y a un requin dans l'eau. Hein. Raft, donc un jeu édité par Axolot, développé par Redbeat, si je dis pas de bêtises, qui est toujours en cours de développement. Moi, ça fait un peu longtemps que je l'ai. Et écoutez, l'occasion s'est fait, Anto l'a appris, du coup let's play quoi. Parce que pas let's play tout seul. Alors déjà, première chose, je vais te laisser faire tous les crafts parce que moi je connais le jeu par cœur. Donc vas-y, tu prends tout. Ok. Voilà. On commence par le marteau, c'est ça? Ouais. On commence par te faire un marteau. Déjà, il faut les cordes. Par contre, je sais pas si t'as déjà eu ce bug, mais genre je lance le crochet sans corde. Ah, non, j'ai pas ça. Mon jeu il marche. Parce que j'ai un PC qui fonctionne. Non, non, mais c'est juste parce que je pense que j'ai rejoint ta partie. D'accord. Ouais. Ça s'arrêtera peut-être quand. Très mineur. Alors, déjà, pour faire des cordes, soit tu as de la chance et tu les trouves dans les tonales, soit tu vas pouvoir transformer deux palmes en cordes. Magnifique. On explique aux gens, c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi d'expliquer. Ça bouge pas de pain. On a grandi. Ah, bonjour. Donc, ça, c'est un requin. Il mange les radeaux. Il mange du bois. Parce que c'est un requin. Je lis très mal. On peut pas le taper pour qu'il s'en aille là? Si, si, mais il faut l'outil pour le taper. C'est qui s'appelle une lance. Sinon, au revoir. Tu peux défoncer la planche et puis tu construis vite ton marteau parce que sinon il va vite nous réduire la taille du radeau. Ouais, mais j'ai un marteau. Hein. Ah, donc faut juste des planches en bois pour. Merde, j'ai lancé ça comme ça. Eh bien, tu me dis, moi je te fournis, hein, Moi je te sauce. Vas-y. Tu veux des planches? Tiens, tu veux du plastoc? Tu veux de la bouffe? Tu veux des cailloux? Tu veux du palmier? Tu veux de la ferraille? Est-ce que tu veux une patate? Je ramasse tout! Vas-y, prends tout. J'agrandis en largeur. Tu l'agrandis en carré à chaque fois, hein. Donc là t'en remets 3 devant et c'est très bien aussi. 3 derrière. Attends, j'ai plus de bois. Vas-y. Bon bah, on va en ramasser. Hein. On devrait faire des pieux aussi tout de suite. Bah le truc c'est que c'est très consommateur de bois. Et au début, en fait il vaut mieux créer au début de la place plutôt que de tabasser le requin, parce que même quand tu tabasses le requin, bah il faut réparer ton radeau et ça te bouffe du bois. Étant donné que c'est 8 planches de bois, et oui c'est pas gratis, 8 planches de bois pour faire la lance. Il revient. Par exemple plus intéressant vu que je vois et j'ai vu une île au loin, tiens voilà du bois. Et de faire une hache assez urgemment d'ailleurs. Une hache? Ouais, vas-y, agrandis encore de 2 slots le bousingue. Et ensuite, une hache sera nécessaire. Attends, parce que en fait, les îles, c'est. Je peux les voir avec le diagonal en fait. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, bah, je les vois moi, je la vois au loin. Alors bien sûr ton crochet s'use, hein, donc tout ce que tu peux rattraper à la main, essaye de le rattraper à la main. Je sais pas si tu peux nous agrandir le radeau au lieu de dormir. Le mec il dort. Pardon. J'étais en train de changer ma sensibilité parce que bouger à 2 heures ça va bien 5 minutes. Voilà, hop. C'est vrai que ma sensibilité est assez basse hein, du jeu de base. Moi je trouve qu'on s'y habitue. D'avoir une sensi assez basse. Ah ta mère toi. C'est bon mon cochon. Est-ce que c'est bon mon cochon? Toi t'es le requin, je vais t'appeler mon cochon. Enfin, tu auras tué. Récupère le tonneau. Le tonneau, c'était le plus important. Et il a pas fait le tonneau. Il a juste flippé. C'était gratis. Oui, parce que la nage dans ce jeu n'est pas très optimisée. Tiens. Vite, hache en pierre. Et essaye de trouver l'encre aussi. L'encre temporaire. L'encre jetable, je crois. Ouais, l'encre, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai. Dans tous les cas, il nous faut plus de cordes et plus de pierres. Ok. Alors, plus de. J'ai un peu de palmier de filet. J'en ai une. Une palme, elle fait un palmar à de filet. Si vraiment. C'est quoi la priorité? C'est l'encre? La hache d'abord. La hache? Parce que sinon on peut juste arrêter. La hache d'abord. La hache d'abord. Okay. Tiens. Il me manque une pierre. Tiens. Ok.
Prends tout. Hop, je lâche. Fabriqué. Tiens, je lâche la hache. Mais là, garde-la, c'est pour toi. C'est okay. Toi qui vas tout faire. Oh merde. Connais le jeu. Garde bien ta hache avec toi. Range assez bien ton inventaire le plus possible parce que sinon ça va vite être le bordel, je t'annonce. Ah, j'ai gagné, j'ai trouvé beaucoup de planches, ça fait plaisir. Et toi tu vas sauter sur cette île, hein, monsieur, hein, et tu vas aller péter le premier bout de bois que tu croises. Hein. Ok. Vas-y, tu peux foncer. Hein. Bon, un petit plongeon, un petit cache de fesses, c'est pas trop grave. Voilà, aïe. Un petit cache de fesses, parce que le bateau, je te rappelle que du coup on peut pas l'arrêter. Donc qui dit on peut pas l'arrêter, faut que te grouiller. Pareil, si tu vois un ananas, une pastèque, tu ramasses. Hein, parce que, je sais pas si t'as vu, on a vite soif du coup. Et vite faim en mode hardcore. Si on joue en difficile, en direct. On te connaît pas le jeu, mais en difficile. Ah, ça y est, on touche l'île. Attention, on part bientôt, monsieur. Attention, attention. Ouais. C'est bientôt le départ. Ça y est, c'est parti, monsieur, on s'en va. C'est faux, c'est un mensonge. Oh, attendez, il y a un tonneau là. J'ai le tonneau. Eh, je suis revenu. Plus vite, tantôt, plus vite. Bonsoir. Du coup, on peut faire une voile maintenant, je crois. Ouais, bah vas-y, hein, n'hésite pas. Bah attends, il me manque juste des feuilles de palmier, sinon je vais faire. Alors attention, sinon on a autre chose de plus important aussi. À gauche, on va avoir un radeau. Alors je sais pas si t'as assez de bois et assez de plastique, mais une pagaie. Est-ce que tu peux fabriquer une pagaie? Moi j'aimerais pagayer, monsieur. Moi la pagaie, et par contre la pagaie c'est une lapine. Je veux pas ramasser le truc que j'ai jeté par terre. Non, vas-y, je le ramasse. Vas-y, merci. Je suis le monsieur qui pagaie. Moi je suis le monsieur qui pagaie et qui pêche. Voilà, je te laisse récupérer ça. Hop. N'oublie pas ce que tu peux récupérer à la main. Voilà, magnifique. Donc je vais pagayer comme ça, pagayer jusqu'au radal. Ok. Parce qu'on dit un radal des radeaux, bien sûr, c'est bien connu. Il y a d'autres îles à droite, mais elles sont super hautes. On ira voir ce qu'on peut récupérer. Pareil, n'hésite pas parce que nos crochets s'abîment un peu, de vite en refaire un. Et tu ne vas pas tarder à avoir faim et soif, je suppose. Soif plutôt. Donc attends, le recycleur. Le purificateur. Purificateur d'eau, et il faut que tu te fasses un gobelet. Ok, j'ai un gobelet. Vas-y. Alors attends. Si jamais tu peux en fabriquer un deuxième. Le purificateur, attends, faut que je le pose centré, c'est ça? Ah bah, le plus loin possible de la planche que le requin va détruire. Hop là, pourquoi je suis tombé à l'eau comme ça? Je sais pas. Aurais-tu poussé? Je peux pas m'en approcher plus, visiblement. Bon, laisse tomber. Tu plonges ou je plonge? Non, mais laisse tomber. Non. Tu plonges. Et si on crochette? C'était ma question. J'y vais. Parce que tu vois, tu peux maintenir le truc. Vas-y, vas-y. C'est la caisse, la petite caisse bleue et rouge. Allez, tu peux revenir. Oh, il y a un truc que t'as pas pu ramasser. J'y vais. De quoi? Oh, pardon, j'ai pas vu. Il fait... Hop. Ah, c'est mon inventaire qui est full. Ouais, pas de soucis, je suis revenu. Désolé. J'ai récupéré. Oh putain, je meurs déjà de soif. Attends, je vais mettre de l'eau. Hop. Mais par contre, je peux pas ramener le radeau par là. Hein. Non, y'a pas de soucis. Hein. T'as pas de quoi faire un deuxième godet en plastoc? Ah, merci, je me fais pousser un peu. Je peux pas. Je jette la teinture ou pas? Ouais, vas-y, balance. On s'en fout. Ah, mais attends, j'ai des coconuts. On peut en faire quoi de ça? Ok. Ça se mange. Ça se mange. Alors, ouais, les teintures, comme tu verras, hein, c'est pas à la prix. Merde. Et ben, je reprends. T'as lancé quoi? La pagaille. Ah oui, tiens, prends le gobelet. Ah, ça viendra, mais un petit coup là. Ouh. Ouais, prends le gobelet et bois l'eau, vite. Ok, donc les teintures pas du tout pressées, hein. Ok. Ok, je vais les jeter. Ça repart à la cuisson. Ouais. Ouais, les teintures, les petites fleurettes nulles, voilà, pour l'instant. J'ai une graine de palmier. T'as quoi? Ah non, ça tu gardes. Graine de palmier. Ça, tu gardes. Ouais, non, mais c'est. Minerai de métaux aussi. Ouais, tu gardes. Ouais, vraiment, tout ce qui sert à faire de la teinture, ça sert à que dalle. Pareil, là j'ai une petite recette, la soupe de légumes, tu vois, c'est très mignon. Mais pour l'instant, Osef. Pour l'instant, on s'en fout. Dès que ce radeau sera assez grand, on pourra commencer les autres crafts. De quoi? Excuse-moi. Le gobelet, s'il te plaît. Ah, tiens. Merci. Je le remets direct en dehors de faire. Vas-y. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il faut que t'agrandisses ce radeau, hein, sinon on peut rien construire d'autre. Hein. Je m'en occupe tout de suite dès que j'ai. Ok, donc là on touche, monsieur, tu peux sauter là avec ta hache et venir ici normalement. Ah, bye.
fais quoi? Et bah, il faut que t'essayes de sauter là-haut. Non, attends, reviens. Non, non, je peux pas. D'avoir le bout de bois. Si normalement on pouvait faire un peu de parcours pour sauter sur. Je vois des poissons qui volent. Oui, alors ouais, j'ai découvert ce bug. C'est... Non, c'est ça, c'est un oiseau. Mais ouais, les poissons maintenant volent au-dessus de l'eau. Hein, c'est concept depuis peu, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça très conceptuel. Je t'avoue. Oh merde, j'ai lancé mon crochet. Alors, plastique. Bien sûr, il va nous falloir également, puisqu'on est en difficile, un lit aussi. Mais bon, pour ça, faut que tu agrandisses le radeau. Tiens, voici du matos. Merci. Voilà. Hop. Alors qu'on trouve également déjà... quelque chose à manger. Ouais, mais j'ai des coconettes. La coconette, ça donne surtout à boire plus qu'à manger. Bah, j'ai une pomme de terre. Une pomme de terre, il faudra la faire cuire, sinon ça donne rien à bouffer. Sinon c'est un drama. Ok. Donc il faut construire le truc pour faire cuire. Ouais, ouais. Finis d'agrandir ton radeau déjà. Finis d'agrandir le radeau. Yes. Ok. Très bien. Agrandis ton radeau. J'ai plus de plastique. Faut plus de plastique. Tiens, alors toujours déjà, je plus. Te donne ce que j'ai hein, déjà toujours. Hein. Hop, merci. Et qu'est-ce que je veux dire? Hop, attends, je vais récupérer ça, ça fait de la corde. Ça, oui, t'es juste là. J'ai pas fait gaffe. Plus de plastoc. Hop. Petit plastoc. Du coup, là, la pomme de terre, elle est cuite. Oh, j'ai raté ma planche. Je suis nul. Eh ben, mange ton truc. Bien attends, sûr, l'autre non, technique ancestrale étant la canne à pêche, également. Ah. Wow. Agrandir le radeau, c'est vital. Oui, oui, bah c'est quand. Ah, puis c'est vrai qu'il est énervé en difficile. Tiens, un peu de plastique et deux feuilles. Plastique feuille, monsieur. Merci. Deux secondes. Voilà, il nous fait des coups de maître. Plastique feuille et moi je veux bien que tu me lâches de la coconette parce que là tout est en crise chez moi. Ouais. Tiens. Il y a les 4. Merci monsieur. Je vais survivre, bah, je m'enfile les 4. Hein. Ouais, y'a pas de problème. Je vais boire et refaire de l'eau tout de suite. Yes. On va tourner qu'un seul godet, je suppose, pour l'instant. Pareil, bien sûr, hein, n'hésite pas, fais un deuxième crochet en réserve dès que tu peux. Fabrique un lit dès que tu peux. Et fabrique une encre dès que tu peux. Je sais, ça fait beaucoup de choses hein, dès que tu peux. Wow, cette esquive de plastique a été géniale. Moi, je la trouve grandiloquente. Hein. Plus de plastoc, 3 plastoc. Merci. Du coup, là, c'est quoi la priorité? C'est. Fais ce que tu peux faire en premier déjà. Je dirais lit encre en priorité. Lit encre, ok. Ouais, alors. C'est là. Alors, il me faut encore un de plastique. Je trouve ça tout de suite. Et on peut pas. Voici votre on plastique, peut pas lâcher monsieur. Le crochet quand on le tient dans les mains. Non, mais tu peux refaire lâcher et faire un clic droit pour le récup. Instant. Ok. Et ça l'utilise pas ça. Non. Si t'as des feuilles de pamir en excédent, t'hésites pas, tu les transformes en. Corde. Corde, ouais. Pourquoi je passe à moitié sous. Ah oui, d'accord, c'est. Ça y a des vagues. Bien, ça navigue fort. Ma vie. Du coup, j'ai le lit. Top cacahuète. Bah, comment je. Mettre, de manière à ce que lui ne puisse pas le détruire, bien sûr. Bah, je vais dans ce cas-là, je vais attendre avant de le poser. C'est bon. C'est vrai qu'on a toujours pas beaucoup de place. Ah, la survie à deux, hein, plus compliqué. Ah, j'ai du plastique pour toi. De plastique pour agrandir, si tu veux. Tiens. Merci. Donc, si alors. Je comprends bien, je me focus surtout sur le plastoc, hein, c'est ça? Ouais, parce que le bois, bah, ça se ramasse au fur et à mesure. Ça se ramasse plutôt bien le bois là actuellement. On est plutôt content. Voilà. Les grands morceaux de plastique donnent plus de plastique ou pas du tout? Non, non, c'est un plastoc tout le temps. Ok, c'est juste qu'ils sont plus faciles à attraper, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est tout.
Bah, c'est pour créer des objets diversifiés, hein. Bien sûr. Hein. Concepteur de jeux vidéo, on évite de te mettre le même item en boucle. Hein. Évidemment. Tiens, j'en profite, je te remets des planches ou des trucs. Lui, toujours le remplir d'eau, hein. Qu'il y ait de l'eau disponible dès qu'on crève la soif. Hein. Ouais, mais j'en ai liquide à boire. Ah, d'accord. Bon, bah. Tiens, j'ai mis une betterave parce que mon personnage est encore pas. Ouais, il va falloir si dès que tu trouves des patates, essayer d'en conserver quelques-unes, puisque dès qu'on peut créer le carré de terre pour cultiver nos patates, il va devenir indispensable. Ouais. T'as agrandi le truc, ouais, il faut que t'agrandis suffisamment. Je vais pour bientôt poser le lit en fait, j'attends que, comment ça s'appelle, que je puisse poser le. Encore trois morceaux derrière et je pose. On a du plastique, monsieur. Merci. Il y en a deux sur le milieu. Ah. Comme ça, tac, là il me faut une planche. Ah, il pleut et du coup on voit plus rien, c'est ça? C'est ça. Plus grand chose quoi. Ok, j'ai une patate. J'ai une patate, je crève de faim mais je vais la garder. De toute façon, puisque tu as fait le lit, donc j'espère qu'un jour peut-être je pourrai revenir d'entre les bords. Moi j'ai fait un let's play. Ah mais là il y a une patate à manger. Mange. Ah c'est une betterave. Ok nice, merci. Merci pour la betterave. Le lit est posé. Canne à pêche va être nécessaire aussi pour survivre. Derrière. Il y a un tonneau juste là avec un peu de chance. On va le récupérer sans faire quoi que ce soit je pense. Moi mon crochet est bientôt pété, hein. Je sais pas pourquoi mais... Bah attends, je t'en fais. Attends, attends, j'ai un peu d'éléments pour toi. Non, moi tu me donneras que quand j'aurai plus rien. Ok, donc tiens, du bois, tiens, des conneries, des machins, des trucs, des bidules, des chouettes et Billy Bell. Ouais, mais moi je vais mourir de faim en fait. Eh bien, mange, tu as une patate. Oui, mais la patate, on a dit qu'on la compte. Ouais, mais du coup, on a pas le choix. Tu vas la manger. Ok. C'est toi qui fais le let's play, c'est toi qui tiens ce let's play. Ah d'accord, c'est moi qui survie et c'est ça, et toi tu meurs. Exactement. Comment on peut faire pour... Alors, je montrerai les crafts un peu plus tard. Pas tout de suite dans l'épisode 1, quand on sera plus smooth, je montrerai les... Ah. Quand c'est un peu plus tranquille, je montrerai les crafts. Et quand il y aura de vrais intérêts, puisque là en gros t'es en train de montrer tout ce qu'on peut crafter en vrai. Ah, le petit godet flotte, c'est possible que je vous emprunte un godet, monsieur? Oui, tiens, il... Attends, est-ce que c'est... Attends, c'est de l'eau de mer, c'est ça? Attends. Ouais, attends, deux secondes. Tiens. Rempli direct, hein. Bien sûr. TKT, y'a pas de soucis. Ah oui, par contre, faut juste que je pense à... Tiens, je t'en suis ton godet. Avant de mourir. Merci. Oh! Oh, fuck! Il est là, ok. Non mais c'est j'ai cliqué sur liste en fait. Par contre je suis toujours en train de mourir de faim. Hein. Si... Hey, c'est parce que ça remonte doucement aussi, regarde tes jaunes en fait ça remonte tranquillement. Non, elle dépasse pas le carré. Ah. Attends, est-ce que j'ai une solution pour toi? Ouais. Merci. Je te fais une betterave. Ah cette espèce de buée est embêtante. Dès que tu peux agrandir, t'agrandis hein. J'ai pas de plastique dès que tu peux. Ok. Aussi dès que tu alors. Peux. Puisque ça va nous fournir un peu de bouffe. Parce que je crois que le carré n'est pas. Tiens, j'ai la canne à pêche, donc je laisse récupérer les trucs, c'est ça? Ah oui. Ouais, je vais pêcher, monsieur. Je vais pêcher. Je vais pêcher. Je vais faire ça pendant que tu fais des trucs intéressants. Alors attends, je récupère ma canne à pêche, voilà. Tiens. Des trucs et des conneries, hein. Si t'as des schémas en double, tu balances. Hein. Tu peux regarder ce qu'il y avait. Ah, mais ouais, j'ai deux récepteurs. T'en balances. Hein. Allez, pourvu que ce soit pas un gros poisson. Non, c'est bon, c'est pas un gros poisson. Hop là, je vous place un poisson parce que sinon je vais mourir de faim. Je dois en pêcher en deux. Ouais, et j'ai remis de l'eau à faire directement. C'est bon, c'est réglé temporairement. J'ai vu un bateau sur la gauche, je sais pas trop quoi, à travers les vagues. Un radeau? Je sais pas, je suis pas sûr.
Attends, il y a deux tonneaux à récupérer là, sur la droite. Ah, les tonneaux là c'est vital. Hein. Si on peut trouver une patate dedans, on est refait. Ouais. Alors, je peux lancer aussi loin? Ouais. Oui. Hop. Non, il y avait rien dans celui-là. Bah attends, je vais essayer de graver l'autre. Oh, on est trop loin. On est trop loin? Non, je l'ai. Ah, parfait. Nice. Pomme de terre. Pas besoin de la planter, enfin garde-la parce que de toute façon j'ai deux poissons sur moi à vous faire manger si tu veux encore. Donc c'est parti, je t'envoie un poisson en cuisson. Vas-y, je refais de l'eau moi. Oh, la fin du début quoi. Et n'oublie pas une encre dès que c'est possible. Oui, oui. Et oui, bien sûr, si t'as plein de bois, bah t'hésites pas, tu nous fais deux lances en bois. Hein. Enfin, ou une lance en bois au moins. Si t'es pété de bois. Plus que du reste. Non, je suis pas pété de bois. Ok. Bah, oublie. J'ai une encre. Qu'est-ce que j'en fais, chef? Bah, pour l'instant, tu la gardes. Eh, hey, je peux faire une voile. Alors, non, d'ailleurs, là, c'est à moi que tu dois donner l'encre. Puisque si jamais c'est toi qui as la hache, c'est toi qui saute. Hop là, parfait, merci. Tac. Très bien. Petit poisson. T'as un petit creux? Ouais. Tiens, prends ton petit poisson. Merci. Attends, je reconstruis tout de suite derrière. Paf. Je t'en encore à grandir. J'agrandis comment? Du côté droit? Ah, t'as agrandi tout en longueur, tout en largeur à chaque fois. Ok. Il me faut plus de plastoc. Parce que le plastique. Tiens, monsieur. Pardon. Tac. Tac. Merci. Et toujours une petite feuille. Hein, c'est toujours gratuit. Petite feuille de PQ. Mais si jamais je peux construire une voile. Par contre, si aussi un jour à un moment donné. Ah oui, est-ce que tu peux me filer le godet, s'il te plaît? Ouais, pardon. Pas de soucis. Je vais peut-être en refaire un. Si t'as de quoi faire un deuxième, et d'abord fais-moi peut-être d'abord un crochet. Plus important. Un crochet? Parce que mon crochet, le prochain objet il se casse, ou dans deux objets il se casse. Maximum. Tiens, hop. Merci monsieur. Sinon, je peux faire une voile. La voile ça peut être intéressant. Mais c'est pas vital en fait. Dans les choses vitales, ça on a en fait deuxième godem en plastique, ça serait bien. Et le petit carré de terre. Le petit carré de terre. Ça demande quoi pour le faire? T'as le plan de l'antenne monsieur avec toi ou pas? Ouais, j'ai le plan de l'antenne. Ok, je jette un truc sur le. C'est pas à prendre. Ok. J'ai hop là, alors attention, moi il faut que je reste vigilant. Ah oui, j'ai pas fait gaffe, je l'ai pas vu passer. Non, mais c'est vrai. Y'a une île à côté, si tu veux. Yes, si tu veux qu'on pagaye. On va pagayer. Si tu peux. Pagayer. Ouais. Et puis, dès que tu peux, avec tout le bois que t'auras, tu nous fais une lance en bois pour que justement on puisse commencer à repousser le cochon. Michel requin, bah je peux la faire. Hein. Le cochon requin. Ah bah vas-y, fais. Hein. Hop, je la donne. Ouais, si tu veux. Tiens. Hop. Du coup, je vais chercher du bois, c'est ça? Attends, faudrait juste que, si possible, je remonte. C'est quoi ça? Je vais le prendre. Ah, le récepteur aussi, tu l'as, tu m'as dit, hein. Oui, attends, tiens le gobelet. Il mange le coin. Tiens, le gobelet est posé à côté du truc de haut. Quel coup de lance, il a pas. Attends, bah, je vais. Hop. Comment je fais pour faire le tour de l'île? Faire le tour de l'île. Bah là pour monter en fait, il va falloir que tu construises un petit escalier ou une échelle. Ok. Alors, comment je te recommande, je sais pas. Ah, t'as de la ferraille un peu ou pas? Un petit peu. Alors, construis un clou. Fabrique des clous. Attends, j'ai un minerai de métal. Non, t'as pas de minerai de métal, t'as. Ah si, tu l'as peut-être. Ok. Dans tous les cas, c'est dans l'onglet vis et il y a clous.
Voilà. Ça va te fabriquer okay, avec deux ferrailles, trois clous. Vas-y. Ouais, je les ai. Voilà, maintenant avec ton marteau, tu as le poteau. Pas le petit piquet, hein. Le grand poteau. Le poteau en bois, ouais. Ouais, tu le plantes là où je suis. Pas sur le rebord. Ici hein. Bien là, là où il y a les quatre, là. Là. Là où je saute. Non. Entre les quatre, hein. Ouais, entre les quatre. C'est parfait. Fait. Maintenant, il faut que tu fasses un escalier. Un escalier. Ouais. Comment ? L'échelle ? Escalier ou échelle, ce que tu peux fabriquer. Ah bah, il tend. Dans tous les cas, il me manque des planches et des clous pour les deux. Ok. Je peux faire le demi-escalier, mais c'est pas si. Alors, clou, ça peut aller chercher en profondeur, parce qu'en fait, c'est. Là, peut-être qu'on voit d'ailleurs. Ouais, il y a des tuyaux là, je vois en bas. Voilà, c'est des tuyaux. Va pas trop te faire niaquer non plus, parce que moi, je suis quasiment mort de faim. Donc, ah, ça y est, je suis mort de faim, donc je suis en train de perdre de la vie. J'adore. Moi, c'est de l'eau, aïe, je me suis fait niaquer une fois. Hop! De l'eau, je peux te filer le godet hein, à n'importe quel moment. Il suffit que tu dis chaussettes et je te file le godet. Merci. Rien. Ah mais j'ai une coconut, attends. Pas grave. Bon, prends ton godet aussi, prends les deux, c'est pas perdu. Et j'ai une pomme de terre. Ok, bah tu vas pouvoir mettre ta pomme de terre. Vas-y, parce que... Et je peux refaire des clous, maintenant. Ouais, bah, on a refait au moins, puis... Hop, c'est bon, c'est fait. Non, saloperie. Et maintenant, il faut du bois. Alors, j'ai deux de bois avec moi. Tiens, ouais. Hop, les palmiers. Et du coup, je peux faire l'échelle. Tiens, vas-y. Alors, moi, j'ai gardé une patate à planter, hein, au cas où. Ok. Du coup, maintenant, je peux faire l'échelle. Hop, oui, elle est faite. L'échelle, ici. Tu la mets à côté du poteau. À droite du poteau. Comme ça. Exactement. Et maintenant, voilà, tu peux au pire gratter dessus un peu pour monter en haut, voilà, et sauter, voilà, magnifique. Et alors là, tu nous récupères tout, hein, du manguier, tout ce qui traîne, ok, c'est tout, bon. Pète tout, défonce tout. Et sauf les fleurs. Ouais, les fleurs, on s'en fout. Parce que tout à l'heure, j'ai ramassé toutes par les fleurs. Pense aux ananas. Pense aux ananas aussi, ce genre de truc. Tiens, d'ailleurs, je peux peut-être sauter. Mais là, il y a un arbre avec des mangues à moitié dedans, faut que je casse. Oui. Tu pètes tout ce qui est en bois. Tout ce qui ressemble à un bout de bois, tu le défonces. Ok. Ah d'accord. Non mais je pensais qu'on pouvait les ramasser. Un caca, si hein, l'arbre. Idéal. C'est incroyable. Hop. Pas moi non. Non moi. Hop hop bonjour. Ah oui. Moi je viens de prendre une pastèque, deux pastèques. Voilà, je suis pastèque man. Le plus grand. Et les mangues ça donne quoi? De la nourriture et, ou il faut savoir que là regarde, même si tu peux pas monter en haut, là le palmier normalement tu peux le taper parce que t'as une distance à la hache mon gars. Voilà donc le palmier là-haut tu peux le défoncer. Le palmier là normalement sur le côté droit tu peux le défoncer et au pire tu sautes, tu tapes. Hein. Mais tu récupères tout ce bout de bois. Hein. Tout ce bout de bois de ses morts, tu le récupères. Oh, c'est une blague. Ah, il est généreux le jeu là-dessus. Hein. Bon, en même temps, vu la hauteur de ses cailloux, des fois, tu dis bon, heureusement qu'on peut. Hein. J'ai la hauteur des cailloux. Alors attends, comment. Où est-ce que je peux l'atteindre? Ah, là, ici ça, je l'atteins vraiment de là, à travers la roche. Oui, t'atteins vraiment de là. Y a pas de problème. Alors, du coup, je te fais l'inventaire de ce que j'ai ou pas? Non, vas-y, prends tout ce que j'ai. J'ai 26. T'as pété les deux arbres, c'est bon? Ouais, j'ai pété. Y a pas moyen que je puisse grimper de l'autre côté là? Non? Avec un peu de parcours, ça doit pouvoir se faire. Hein, sur. Si tu reviens vers le navire, là, ça de mon doit côté... pouvoir se faire. Attends. Là, regarde, là, on peut essayer de glitch un truc. Ah non, ça a l'air compliqué. Eh, hey, mais sinon, tu viens sur ce bout d'île là et je crois que tu peux le péter en sautant. Ce serait énorme. Sinon, je vais te montrer un glitch douce. Ah, ça... Attends, et de l'autre côté de l'île, y'a ah, pas un peu de. Vas-y, on va glitch. Viens, hop. Pouette. Hop, tu vas sur. Je suis tombé. Tu vas sur. Ouais, remonte. Et là où t'as pété le palmier, je t'ai dit, ouais, t'as de la distance pour le casser, là tu viens me voir. Ah, mais j'arrive pas à monter. C'est une blague. Ouais, ça arrive. C'est l'âge, hein. C'est l'âge, papy. T'es gâté. Ok, c'est bon, ouais. Et en fait, là, je vais m'accroupir, me lever en boucle et toi, tu sautes sur ma tête. Vas-y. Asi. Ça marche pas, je passe à travers. Oh. Si. Oh. Bon, normalement, ça va marcher. Oh. Pardon. Excuse-moi. Hop. Je t'ai poussé. Ouais, forcément, tu me pousses un peu. Asi.
Là c'était ouais. Bon. Là normalement t'étais bon à un moment donné hein. Non, ça me repousse. Non, mais une fois que t'es sur ma tête, tu me le dis. Ouais, ok, vas-y, ah. Je me lève et là tu sautes. Vas-y. Ouais, j'y suis. Voilà, raquette. J'ai récupéré une caisse avec des charnières voilà. Du verre. Mais sac, c'est bon, mec. Ah, il reste d'autres arbres. Bah, vas-y, pète tout, hein. On a besoin de bois, hein. Comme ça, tu me feras mon marteau. Tu feras tout ce qui me manque en stuff aussi. Hein. J'ai cassé mon marteau comme un caca. Ta hache, bah, déjà, il faut que tu refasses une hache. Et j'ai pas de pierre. Ok, bah je vais trouver des cailloux. C'est sous l'eau que ça se passe. Attends, j'en profite d'être tout en haut pour regarder. Et t'as 0 cailloux. Il y a une autre. Combien pour une hache? Combien pour une hache de cailloux? 3. Ok, je les ai. Je vais essayer de prendre un peu plus tant que j'y suis, tant que je me fais pas agresser par le requin. Il arrive par contre. Ouais, et tant qu'il m'agresse pas direct, j'essaye de gratter ce que je peux gratter. J'ai une graine de mangue et des graines d'ananas. Ouais, prends, hein. Garde hein, ça par contre, hein. Ça tu gardes. Ça, tu fais pas le fou, ça tu gardes. Ok, je me suis pas fait agresser par le requin et j'ai 6 cailloux, mec. Donc j'ai envie de te dire, c'est quand tu veux que tu te prends. Par contre, faut que tu reviennes sur le bateau. Je redescends du coup. Ouais, il faut que je surveille Jean-Michel Couillon qui vienne pas nous péter le navire. Attends, je vais poser une planche. Ouais, c'est pas urgent. Qu'est-ce qui se passe avec pas trop craignos. Tiens, alors du caillou, ma dernière planche de bois, tiens, et même de la ferraille. Et file-moi ce qui est graines, patates et autres conneries. Moi, normalement, je gérerai la bouffe. Attends, arrête de jeter des trucs. Là, il y a Jean-Michel qui vient de casser les trucs. Et il aime bien ce bout de bois, hein. Ce côté-là du bout de bois, il aime bien. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ouf. Oh, excuse-moi, je manquille un peu de bouffe, hein, parce que j'en peux plus, je suis au bout de ma life. Et toi? Ouais. Attends. Toi, t'en es où? J'ai encore un gobelet. Enfin, bouffe, tout ça. Moi, j'ai mangé des mangues tout à l'heure. Ah, alors, ok, c'est d'accord, donc il a fait son schlag, il s'est servi en premier. Tout va bien. M'inquiète pas de toi. Non, mais je. Non. Pas de soucis. C'est bon, tu te refais ta petite hachette là? Je l'ai refaite déjà. Ok, bah c'est parti, on retourne glitcher dans des murs. Si je me casse pas la gueule. Ouais, t'as vu? Genre le bateau il a bougé un tout petit peu et du coup c'est un peu complexe. Bah c'est normal hein. En même temps là on est sur un vieux bout d'échelle, je suis tombé. Allez Et merde. Allez, chacun saute, allez c'est parti. Faut sauter vers la gauche du rocher en fait. Moi il veut pas sauter, hein. Moi il veut bien courir mais sauter là il veut pas. Non mais il veut pas hein. Il m'a dit non. Il m'a dit niette, nine donc schön, tout ça. Ouais c'est bon, j'y suis. Sprit. Donc on revient ici. Je joue Glitchman. Une fois que t'es sur moi, voilà, je me relève, voilà, et là tu peux passer. Hop, merci. Voilà. Et même quand c'est trop, Et du coup, j'ai retrouvé des mangues, hein. Ouais, bah, repète des arbres, prends des mangues, prends tout. Racketman. Par contre, il va falloir que j'aille de l'autre côté de l'île. Ouais, bah, tu iras de l'autre côté. Tu iras de l'autre côté après, mais. Prends déjà ce qui est en haut, tranquillement. Moi, pendant ce temps-là, je montre un let's play incroyable, je monte des planches. Ça, c'est un radeau. Regardez l'oreiller, c'est un bidon d'essence en plastoc, toute la course. Un bidon de décap-tou de 3 litres. Voilà. Vous serez. Si jamais un jour vous devez survivre en mer, vous direz que Narfang m'a dit le bidon de 3 litres de décap-tou, c'est très souple, c'est adorable. C'est génial comme oreiller. C'est top. Voilà. Ah, ça sent le mec qui est trop plein. Faut que je lance quoi? Mais non, lance pas, transforme tes palmiers en cordes. Ah ouais, pas con. Pour faire deux stacks différents. Et regarde bien que tout soit bien restack. Ah putain, petit nul! Casse-toi! Pas cette planche là en plus! Pas cette planche là! Voilà. Et si vraiment t'es plein, fais-moi un marteau, balance-moi ça par-dessus bord. Non, c'est bon, j'ai tout. Le seul truc que je relançais là, c'était sans faire exprès, c'était une tuber que j'ai ramassé et que je pensais ouais, que c'était bon, ça, on s'en fout, alors ça tu balances. Hein. Ça, on s'en pète. Hein. Bonjour. On fera de la du coup, on peut y aller. C'est non, ça non, on y va pas, alors. On y va pas. Déjà, t'as cette planche là à réparer là. Tout de suite. Voilà, parfait. Ensuite, le carré de terre. Tu peux le planter au pied de l'échelle. Hein. Tu le fous au pied de l'échelle. Ouais, attends, je cherche où il est.
Tac, il est La tout en nourriture. haut, nourriture, petit caractère, c'est le dernier. Voilà, parfait, il est tombé. Paf, je vais le mettre. Paf, ici, magnifique. Fais-moi un gobelet si tu peux. Je peux pas. Tu peux pas? Ok. Tiens, Alors, je repartir. vais planter. Ah oui, j'ai plus qu'une patate, t'aurais pas une patate? Ou une Non, betterave? j'ai des mangues et des graines. Ok. Attends, j'ai encore des graines, Bah, tiens. déjà, tout ce qui est graines, c'est pour ma gueule. Tiens. Ah, je dors. Par contre, je garde juste les mangues sur moi. J'en ai 4. Vas-y, garde tes mangues, y'a pas de soucis. Crevard. Voilà, alors après, ce qui sera intéressant avec les betteraves et les patates qu'on croit, c'est que le petit carré de terre les prend tous en fait. Il prend ces deux types-là d'objets. Ok. Maintenant, ce qui est important, c'est que tu puisses fabriquer aussi la table d'érudit, l'espèce de table d'études. Que tu remettes aussi une planche sous le verre d'eau. Celle-là? Et je te rends ton verre d'eau. Je sais pas. Mais du coup, tu peux pas la fabriquer en bas. Donc, garde-la dans ton inventaire. Vas-y, pas de soucis. Va sur ton marteau. Mais j'ai le Va sur ton un marteau. établi. Va sur ton marteau. Ok. Voilà. Et tu te fais une planche au plafond là, une autre là et une autre là. Ça s'appelle, c'est quoi? C'est les parquets? C'est parquet. Alors, pas devant l'échelle, hein. Pas devant l'échelle. Ok. Au-dessus? Là? Ou derrière? Là, là et là. Dégage. Hop. Je peux Ah, pas, il j'ai y a des plus livres qui me de. Il bloquent. faut que tu fasses une lance. Tu fasses une lance. Allô, il y a quelqu'un? Oui, Ah, là. d'accord. Merci. Fort aimable. Bon, Tu j'ai plus peux de pas en bois, faire un là, parquet là? Non, parce qu'il y a l'île qui bloque. Ah, ok, d'accord. Très bien. Pas de soucis. Je nous mets tout de suite un truc à cuire, à manger. Là, tu vois, déjà, ça va mieux après une île. Voilà. Maintenant, si tu peux, mais je suis pas sûr là que ça va le prendre, est-ce que tu peux mettre la fameuse table de recherche de l'érudit au-dessus? Mais je crois pas qu'il va Ah, je vouloir. peux! Tu peux? Ah, vas-y, tu la mets là. Ouais, Comme ça, il pourra attends, pas nous la j'essaye de le péter, faire le notre enfoiré. maximum. Je le mets le plus vers l'eau possible, hein. Ouais, comme tu veux, ouais, vas-y. Ouais, Hop, comme comme ça on peut ça. monter et se Ouais, mettre à c'est ça. côté. Regarde. Voilà, alors maintenant là-dedans tu vas pouvoir mettre toutes les technologies que t'as. Hein. C'est-à-dire tu vas pouvoir y mettre une planche, une corde, une feuille de palmier, et ça va te révéler des trucs. Bon par contre cette pastèque prend beaucoup trop de place dans ma main. Normalement je vais la bouffer. C'est bon, je Attention, les ai elle n'est pas étudiés. perdue. Voilà, donc tu étudies tout ce que tu peux étudier. Si te manque de la ferraille, tu me dis je vais en chercher. Si te manque des cailloux, je vais t'en chercher. Tout est une technologie, hein. Une plume c'est une technologie, du sable c'est une technologie. Ah oui, il faudrait qu'on Ah. fabrique notre première brique aussi. Allez, je plonge. Souhaite-moi mauvaise chance. Ouais, bah j'ai entendu ça, tu viens de te faire biter. Non, pas encore. Hein? T'as des cailloux encore, hein. Donc je perds mon temps là-dessus. Ok. Ah, je vais pas tarder à me faire niaquer. Ça y est, mais tu fais niaquer. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a fait Par contre, beaucoup j'étais mal aux tiré avec gosses. le gobelet d'eau. Oui, c'est vrai. Mais bon, t'as Non, les c'est pas mangues. grave, j'ai mangé des mangues. Oui, c'est ça. Avant que tu sois fou, on a un peu de marge, je crois, non? Ah, par contre, là, je suis en train de m'étouffer, là. Faut que je remonte. Hop. Est une technologie, c'est ça que tu dis? Ouais, plus T'as c'est une du, t'aurais du techno. plastique parce que le plastique c'est fantastique. Ouais, mais non, j'en ai plus, je t'ai tout filé. Ah merde, Par bah contre, j'ai je pas peux de peut-être t'en plastique. attraper, hein, attends. Non, Voilà. je crois que c'est trop long. Us! Un petit peu loin. Faudrait qu'on bouge, Par hein? contre, je Non? peux faire. Non, attends, il y a des trucs dans le sous-sol. Hein. Dans le sous-sol, déjà, il y a de la ferraille, mec. Hein. Mais j'en avais déjà sur moi. Alors, voilà, je te dis, moi, alors, regarde, j'ai fabriqué une brique. Et quand tu fabriques une brique, il faut la poser par terre pour qu'elle sèche. Voilà. Oh. Ouh. Donc, histoire que tu sois pas plein jusqu'à en crever, tout ce qui est sable et argile, je le stocke sur moi, on dit, ok? Ok. Tout ce qui est Ah, produit de sous la mer dont t'as pas besoin tout de suite. Nickel. Genre minerai de fer, tu peux me le filer, minerai de fer, tu peux me le filer. Ce genre de truc dont t'as pas besoin tout de suite. Bah j'ai du minerai de fer, tiens. Vas-y, balance. J'ai des pierres, des charnières, de la ferraille. Ouais, ça tu Non, peux ça je garde. garder. De toute façon, je suis vide. Tu gardes pour l'instant. Ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant, t'es vide. Après, dès qu'on va commencer à ramasser des bignous et des trucs, tu vas commencer à être plein. Je pense qu'on Tiens, au devrait y fait, tu m'as aller. réclamé ça là. La pleureuse. Ah oui. Tiens, prends ça. Merci.
Non, on va pas y aller. Moi, il me faudrait un sable de plus pour fabriquer de la brique. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir découvrir la fournaise, donc il faudra y mettre une brique. Et la fournaise coûte 6 briques à fabriquer. Ah oui, ok. Bon, au pire, on y va chacun notre tour en bas, non? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on peut pas se permettre de mourir tous les deux en même temps. Tu l'auras bien compris. Parce que je suis un garçon fort intelligent à ce qu'il Le requin est descendu, hein, par contre. Hein. Ouais, bah, je me doute bien qu'il va venir me chercher. Il est remonté. Ah, ah non, il veut venir niaquer le bateau, peut-être. Il est parti au loin. Je sais pas où il est, là. Bon, je récupère du minerai de fer, mais je me fais un peu chier à récupérer ça pour rien. Ah, putain. Là, c'est... J'ai vraiment fait ça. Je sais pas où il est, là. Je le vois pas. Bon, attends, je remonte, parce que là, je suis vraiment en train de mourir. Gravement de mourir. Ah bon, il risque... S'il me niaque avant d'atteindre le bateau, je suis mort. Mais je sais pas où il est. Ok. Wouh ! Je suis encore à peu près vivant. Wouh ! Ah. C'était Tug. Bon, dès que tu peux me fabriquer un gobelet en plastique, faudra que tu m'en fasses un, parce que sinon, bah là, il faut que tu en mettes de l'eau. Vas-y, dans le carré de terre. Faut que tu mettes de l'eau dans le carré de terre. Vas-y. Ah, mais ça arrose toutes les plantes en même ouais, temps, mais ça c'est arrose toutes les plantes. Oui, bon, ça va, une... Un Godhead Flood pour deux pattes. Non, mais je veux dire, ça pourrait faire qu'un seul. Ah, bah alors voilà le requin. Regarde. Franchement, ça serait ça, je l'appellerais salope. Je vais me pêcher un poisson parce que moi, sinon, je vais pas tarder à crever de faim. Bah, il y en a encore un sur le truc, hein. Il y en a encore un sur le gris. Ouais. Ouais. Ah, ok, d'accord. Je l'avais pas vu, il était pas assez épais. J'y ai pas touché. Hein. Ah alors, ça, voilà. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème qui fera plaisir quand on aura une autre technologie qui s'appelle le gris. Mais pour l'instant, on l'a pas. Ah, en fait, il y a Michel qui vient ici, là. Ah ouais, là, si il casse ici, c'est la merde, c'est ça. Voilà. Là, par contre, je la répare pas à fond. Voilà. Non. Faut qu'on parte. Pas si tu veux. On a plus de ressources, là. On a plus de ressources. T'as assez de ferraille ou pas? J'ai... De ferraille ouais. J'ai un. T'as une ferraille, parce qu'on peut plonger pour aller en chercher aussi. Tu veux que j'y aille? Je suis fou. Bah si t'es full justement, je préfère que tu restes ici. Comme ça tu pourras... Non, je suis full dans le sens en vie. Oui, bah justement. Parce que bah moi si tu te fais niaquer par le requin et que tu te fais tuer par le requin, s'il faut que je vienne te chercher, je viens te chercher avec un quart de vie. Hein. Donc il me niaque une fois et je suis mort. Donc hop, on fait ça en sens inverse. Et moi se dire que je dois venir te... Ouais, faudra que tu viennes me sauver avec toute ta vie. C'est génial, hein. Alors, je plonge un peu en profondeur. Non, Gnerfong! Il est derrière moi? Bah, il passe dans ta direction. Oh bah, en plongeant. Tarder. Ah non, il revient vers moi. C'est bon, il est là, je le vois. Fais juste gaffe si tu remontes. Hein. Je le vois toujours. Sinon, là, pas, il part loin. Tu taquines un peu, tu plonges un doigt de pied dans l'eau. Tu vois comment il le prend. Parce que là, au fond de l'eau, il est possible aussi qu'il y ait une autre caisse au fond de l'eau. Ah oui. Je suis quasiment mort. Ouais, il est juste là, regarde. Avec la vie que j'ai, lol, on je suis pas mort. Ouais, tiens, t'es deux ferrailles. Comme ça, t'auras de quoi refaire des coups si jamais au moins c'est nécessaire. Allez, je décroche le navire et on y va, on s'envole vers de nouvelles aventures. Pokémon. Ah, le navire il bump contre le truc, il change de direction. Ouais, d'accord. Il bump. Alors, je pourrais utiliser la pagaie, mais je vais peut-être pas défoncer le reste de ma pagaie. Si on juste faire des petits détours par Warlan. Hein. Non, on s'en fout. Donc, n'oublie pas, hein, agrandissement du bordel, tout ça. Enfin, maintenant, c'est tout ce que t'as à faire. Hein. Faire des recherches dès que t'as. Hein, là, si t'as de la ferraille, va faire une recherche. Là, j'ai déjà utilisé la ferraille. D'accord. Et n'oublie pas faudrait de garder aussi du bois pour l'eau et tout le machin. Alors, ce que tu as appris, moi je peux l'apprendre aussi. Waouh, attention! Waouh, j'arrive. Il va casser une planche. Trop tard. Non, mais laisse. Ah, il va casser. Là, si je peux le tuer, il aura à manger du requin pour ce soir. Si je peux le tuer. Et non, je l'ai pas eu. Ceci dit, tant mieux parce que. Il manque toujours du plastique parce qu'il faut qu'on fasse. Ah, tiens, monsieur. Tiens. Oui. Arrête de bouger. Ah, va voir ta table préférée. Alors on a une nouvelle technologie qui est super précieuse. Déjà stockage. On a le nouveau type de stockage et on a le filet de récupération. Quand le bateau quand on aura estimé que le bateau sera assez large, il faudra poser des filets un peu partout autour. Comme ça ramassera à notre place. Économie de crochet monstrueuse.
Et tu peux faire crafter un truc pendant ce temps-là, il n'y a pas de todo qui te passe sous le nez. Monsieur, il me faut un verre, tout de suite. Et faut mais j'ai pas de plastique. Non, mais il faut que tu passes ton godet. Ah oui! Fais-moi ton godet. Attention, il y a un tonneau derrière toi. Oui, il faut que tu mettes aussi immédiatement du bois sous les deux trucs. Mais genre, tout de suite. Le truc d'eau, il y en a pas non plus. Ouais, j'en mets. Hop, c'est bon. Moi, il faut que je boive et que. Oui, ma planche en attendant, tu surveilles. Parce que là, moi, je suis en train de. Je suis aux portes de la mort, TMTC. Là, il y a un bout de bois qui vient de passer sous le radio. Radio. Mais j'en ai ramassé une déjà. Ok, d'accord. Allez, hop. Je bois un petit coup de flotte. Je t'en remets de l'eau. Tiens, monsieur, je te passe le godet. Et je suis en train de mourir de faim également. Parce que j'ai perdu tellement de vie que forcément, je suis en train de siphonner mes réserves. Parce que dès que tu perds de la vie, tu siphonnes tes réserves. Hein. D'accord. Bon, j'ai fait des choses grandiloquentes, monstrueuses quoi, certains diraient même. Attention le requin. D'autres diraient j'en ai rien à foutre. Hein? T'en as rien à foutre cogner en fait. À vous tout. Non. Voilà. Et j'ai besoin que tu utilises ton godet flotte également pour rafraîchir le carré. Et on a pu faire cuire notre premier patate en ayant rempli tout notre champ. Une patate pantée égale deux patates rapportées. Donc tu vois le petit carré il est vite rentable. Hein. Oui. Oh. Oh, tu l'as tué. Ouais. Qu'est-ce que... Oh putain, je peux plus. Ah, secours. Est-ce que tu peux me faire en urgence? Eh, y'a la mouette. Casse-toi, connasse. Oh, j'ai pas pu tout avoir. J'ai pas eu le crâne du requin. Je suis vénère. Bah, moi par contre, faut que je boive. Moi j'ai moins. Ça fait quoi quand ça arrive à zéro? Bois. Ah, bah, tu perds de la vie, hein. Et quand tu perds de la vie, tu siphonnes tes réserves encore plus vite. Donc c'est le cercle vicieux. Bah il faut que je mange et que je bois. Et bah mange et bois. Il y a ta patate qui est en train de cuire monsieur. Hop. Et là ce qui est bien c'est qu'en termes de faim on va pouvoir se mettre convenable. Voilà monsieur. Le petit steak de requin qui cuit. Alors c'est très long à cuire. Alors ouais pendant que le requin est mort hein, tant qu'il repop pas. Parce qu'il y en a un autre qui va repop. Mais sinon tu peux plouf aller chercher les trucs à la nage. Parce qu'il y a personne pour te niaquer les fesses. Et là par contre si t'as la voile jamais tu rattrapes le bateau hein. Je tiens à préciser. C'est pour ça que la voile c'est bien mais c'est un peu un poison aussi. C'est bien quand t'es confort on peut... en fait. On peut la... comment oui, on peut la dégager. On peut la rabattre, y'a pas de soucis hein. Pas de problème, okay. Pas de problème majeur là dessus non, c'est... Allez je te laisse plonger parce que moi je suis en train de mourir de faim. Je peux plus trop plonger. Moi aussi. Ah. Et flûte. On peut pas nager plus vite, non? Ah non. Dis ça, ils connaissent pas le crawl? Non. Bah, t'as vu la tête de mon gars, c'est un Rastafarine. Ouais. Il connaît que la planche. Alors, bien entendu, puisque c'est toi qui tiens tout ce let's play, évidemment. Tiens, je mets des planches là-dessous. Tiens, hop, mets une le planche vaisseau douce. Mets une planche sous le requin. Je peux pas, c'est deux maximum dedans. Ah, ça y est, c'est deux. Ah, ok, d'accord. Donc j'ai réussi à placer ma dernière. Que je l'avais cramé pour un autre truc. Tiens, hop, ton godet. Oh, je vais chercher le tonneau. Vas-y. Chercher le tonneau. Toi, tu manges le steak de requin dès que tu peux. Voilà. Ça, tu seras à fond et tu pourras plonger, aller chercher les autres tonneaux, les autres trucs et les autres machins. Moi, je suis pas frais, je fais ce que je peux. On va dire. Il est toujours pas cuit ce steak de requin dissident? Non. Si ça y est, vas-y prends-le. Quick. Comme ça je mets tout de suite, hop j'enchaîne, je fais le deuxième. C'est ultra long à cuire. Putain on aura récupéré les patates avant. Merci. Pas de soucis. N'oublie pas j'ai gardé les briques sur moi. Hein, sache que les briques sont sur moi. Attends j'y vais. Mais plonge. Yep. Économie de crochet. On économise tout ce qu'on peut économiser comme des vieux crevards. La survie, le mec il dort. Lol. La survie d'un mec qui dort. Ah merde, je suis sous le radeau. C'est dommage, mais c'est pas grave, hein. Y'a pas de requin, y'a pas de drama. Y'a un radeau là-bas. Ouais, on peut y aller en pagayant. Tiens, vas-y, je te donne ça. Ou, je vais quand même pagayer pour nous rapprocher. Donc je te laisse récolter tout ce qu'il y a à récolter. Je suis en train de perdre de la vie, il faut que je mange.
faut que je mange. Ouais bah. Hop. Dis-moi qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu viens de ramasser quelque chose qui se mange ou pas? Non. Non plus. Ma vie est nulle. T'as pas une mangue, t'as pas une connerie qui reste? Non. Tu vas me laisser mourir comme ça, Jack? Non plus. Tu vas me laisser crever comme ça, Jack? C'est méchant, Jack. Bon, attends, je vais chercher le tonneau. C'est pas grave. Je meurs sur le bateau, dis-toi, c'est pas le drame. Par contre, voilà, moi je vais pagayer pour essayer de te ramener vers le truc, mais sache que voilà, il y aura plus personne. Il y aura plus personne pour maintenir le. Le truc, hein. Mais faut qu'on aille au radeau. Hein. Donc. Mais attends, mais ça va bientôt se finir. Ça y est, c'est fini. Non, toujours pas. Ah, et puis c'est trop long. Mais merde. Mais là, y a les patates, elles sont pas. Non. Mais de toute façon, il faut les cuire. Allez, je suis tombé. Bam. Ah, menu principal. Ah, oui, non, attends, tu mets sur le lit. Paf. Cool. Top pistache. Voilà. Hop, je peux appuyer pour relever. Et voilà, je garde la pêche. Voilà, c'est la bouffe. La bouffe. Ah mais c'est bon, non mais c'est bon, en fait quand quand tu meurs tu reviens avec un quart de vie, moitié bouffe et moitié eau. C'est presque bouffe, hein. C'est vrai que j'avais oublié ce détail technique, ce qui fait qu'en fait au début plutôt que de faire de l'eau et de la bouffe, faut juste faire en fait un lit. Fais juste un lit. Ok, j'y vais. Ah, il faut que tu ailles, j'ai fait la pagaille ça a cassé. Oh, ah, il est revenu. Je me suis fait biter le cul. T'as vu, il est revenu, c'est trop mignon. Il faut que je ramasse quoi là? Bah la caisse. Ouais mais je l'ai. Bah voilà, bah ramène ton boule. Au secours, Marfan, que tu m'abandonnes. Bah oui, j'ai plus de paillage, je viens de te dire. Par contre, j'ai entendu te faire des fesses, une. C'était stylé. Par contre, je peux faire une canne à pêche en métal. Oh. Et un crochet en métal. Oh. Bah tu choisis, mais... Ah, attends. Faut d'abord que tu mettes dans l'établi ce que tu viens de découvrir. Ça va le consommer, mais faut d'abord... le mettre dans l'établi. De quoi? Bah je sais pas, c'est peut-être le boulon, je crois, que t'as dû trouver. Mais le boulon, je l'avais déjà mis dedans. Tu l'as déjà mis dedans? J'en avais déjà un de boulon, hein. D'accord. Attends. Ça rase de ces moires. Attends, un deuxième gobelet, on avait dit. Ouais, un deuxième gobelet, ça pourrait être pas mal. Ah oui, t'as mis le boulon, t'as déjà mis la charnière. Putain, t'as déjà tout mis, quoi. Ah oui, donc tu peux fabriquer... Bah je te conseille un crochet en métal pour toi, hein. C'est confort, hein. C'est très confort. Ah mais on a la fonderie aussi. Ouais mais la fonderie c'est pas tout de suite, hein. j'ai que deux briques sur moi, il en faut 6. Attends, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais te... Attends, je t'ai refait une pagaie normalement, non? Oui par contre... Ah j'ai plus de lance. J'ai besoin d'une lance. Ah, si tu peux me faire une lance en métal, formidable. Tiens, non on n'a pas une lance en métal. D'accord. Ça marche quand même plutôt bien. Sinon je prends une lance en bois. Le gobelet c'est où déjà? C'est pas grave, la lance en bois. Elle est là sur le feu. Ah oui bah d'accord, sur le feu. Ah oui, ah, merci. Tac, ensuite, attends, avant de nous dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, tiens prends ça. Merde, non, il y a un truc qu'il faut pas prendre, c'est à moi. Il y a un truc qui est à moi. Oui bah je l'ai ramassé quand même. À moi. Non, c'est à moi. Merci. Mais il est où le gobelet? Je le retrouve plus. Ah là. Voilà. Tiens, prends-en un. Top pistache, ça y est, je suis enfin indépendant en eau. Je suis grand, j'ai enfin le droit de boire tout seul. Nice. J'ai arrosé le carré, hein. Nice. Oh, nice. Tiens, on va te récupérer du cordage. C'est plus. Alors, qu'est-ce que je voulais construire? Je voulais construire un autre truc. Ah oui, un crochet en métal que je peux faire. Vas-y, fais-toi ton crochet en métal, je te mets une palme sous le nez. Merci. C'est la palme d'or. Parce que... Mais je l'ai pas encore cassé mon premier crochet. Ok. Il y aura 5 heures de la. Planche en bois sous les tous les trucs dont on a besoin là. C'est bon. Nice. Ah mais attends, je peux encore agrandir. Ouais mais n'oublie pas de garder du bois pour qu'on puisse se faire à boire et à manger. Du coup. Enfin idéalement, parce qu'après on peut se laisser mourir de faim, on vient de le vérifier. Mais bon, mais voilà, attends, ah, attends, pourquoi il veut... Ah, faut que je regarde une planche. Okay. Mais de toute façon, il va encore me manquer du plastique. Quel plastique? Il te faut quoi, de plastique là? Non, j'en ai encore 5. Oui, mais il t'en faut combien? Là, il m'en faudrait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Du tout gourmand. Bon, bah, chope le tonneau qui est à ta droite et prie pour qu'il y ait du plastoc dedans. Hein.
Hop, j'en ai un. Moi j'en ai 4. Non, betterave dedans. Ah, c'est que je mets à cuire. Hein. Ah non, il y a une pomme de terre. Bah, je prends la pomme de terre et je mets la betterave à cuire. Non, non, tu mets pas la betterave à cuire. Trop tard. Putain, c'est con. Pardon. Je déconne, non mais je déconne. Imiam, derrière. De toute façon, plus c'est nul la betterave. Mais c'est parce qu'en fait, ça nourrit presque pas la betterave. Et qu'il vaut mieux faire cuire des patates. Surtout quand t'as une belle autonomie déjà en eau, etc. quoi. Donc... Oh, j'ai même pas récupéré ma planche, j'en suis sûr. Ok, je remets de la planche. J'ai gardé un peu de planche sur moi. Ah tiens, tu voulais 6 plastoc, tiens. Tiens, et puis là, du palmier. Et puis tiens, prends du bois aussi. Mange du bois, ça fera du bien. Aïe, j'ai même pas eu mal, monsieur. Tiens. Je suis au bout de ma vie, j'ai pas eu mal, tout va bien. Mec, faut qu'on refasse une encre, vite. Ouais, bah il faut que tu refasses une encre. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais. Ouais, mec. Comment on fait une encre? Bah, c'est toi qui sais, hein. Tu sais où c'est. C'est là où il y a la voile, dans ton menu. Corde, y a la voile. Je l'ai. Voilà. Et tu me files l'encre. Ah, il faut que je bois. Donne-moi l'encre. Nice. Ok. Peut-être pas gagner. On va éviter de lancer les objets à côté de... Hein. Ok, on dit qu'on fait ça. Donc à première vue, on est parti pour passer un peu à côté quand même. Hein. Oui. Faut que tu renforces le radeau. Où ça? Bah là où je suis. Il y a un trou. Oui, je sais. On grimpe sur celui-là en plus, donc faut que j'aille me caler à droite de cette île. Hein, si on veut avoir une chance de monter dessus. Non, là si tu vas à peu près tout droit avec l'échelle, on peut monter. C'est le rebord qu'on a. Non, mais il faut qu'on aille à droite obligatoirement. Ah, parce que si on se pointe sur le côté gauche de cette île, on peut pas grimper. Donc, parce qu'on était parti pour passer à côté en fait, je t'explique. Ok. Donc, je préfère qu'on se cale contre. Genre, voilà, à peu près comme là, on va arriver, tu vois. Ça va pas être trop mal normalement. Ah, si, t'as raison, c'est un peu dégueu. Faudrait que je monte. Cette connerie avait tourné sur elle-même. Et là, voilà. Faut pas poser l'encre. Et là, on est bon. Là, faut que tu grimpes. Grimpe tonton, vas-y. Ouais. Vas-y tonton David. Allô, le jeu. Allô le oui, jeu. Oui, mais j'y suis. Pose l'encre. Mais c'est le jeu qui me pète un pont. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est planté. Par contre, je te préviens, je peux pas du tout bouger. Il va falloir que je surveille Jean-Michel Pitbull. Faudrait juste qu'on me fasse à manger si c'était possible avant. Oui, bien sûr. Vas-y, monsieur. Je vous prépare votre soupe de tofu. Merci. Par contre, dépêche-toi parce qu'il faut, moi, vraiment, il faut que je surveille que l'encre en fait, parce que l'encre est sur une pointe. Comme un con, je l'ai mis sur une pointe pour me dépêcher et va péter tout le bois du monde que tu peux péter. Attends que la vague monte. Attends un peu que la vague te monte. Oh, putain, je suis en train de crever de soif. Pardon. C'est moi qui ai plus haut. Attends, et si je monte sur la table? Je suis pas plus haut? Si, voilà. Ouais, si, t'es plus haut. Là, je pensais que tu montais sur la table depuis le début. Ah non. Quelle espèce de touriste. Le gars, il a cru que ça y est, c'était un club touristique. Oh, on va s'amuser sur des bidons et des planches de bois dans l'Atlantique. Et le gars, j'hallucine. Je t'ai fait ta bouffe, hein, s'il faut. Ok. De toute façon, j'enchaîne la bouffe, j'ai pas le temps. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Je suis devenu un homme cuisinier. On devrait se faire plusieurs trucs d'eau par contre, je pense. Alors oui et non en fait. Parce qu'en fait l'intérêt c'est vraiment de faire la fonderie très vite. Parce qu'une fois qu'on aura la fonderie, on aura accès à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes de récupération d'eau et qui ne consomme pas de planches. Ah ouais, là d'un seul coup, quand t'as à faire un truc qui consomme plus de planches, tu fais « Ah, le gain d'énergie est monstrueux, dites donc !» Ton bilan énergétique est cool. Tu vois, vois-tu. Vois-tu ma belle quenouille? Je suis en train d'essayer de broken le jeu. Après tu me dis hein, si vraiment t'as besoin de moi pour aller glitch le glitcher là-haut. Si déjà c'est possible. J'ai plus de hache. Il faut en faire. Est-ce que t'as encore des cailloux? J'ai plus de pierre. Donc je vais plonger chercher des cailloux. Ou tu plonges dans le... Y'a le requin, attends. Donne-moi le pic alors dans ce cas-là. Non bah tu plonges. Moi, ok. Comment je sais où il y a des cailloux? Bah ça se voit en fait, tu vas les voir. Découvre un caillou. En fait ce qui est intéressant c'est que tu récupères ça avec ton crochet caillou. Si
C'était le moment de congé, hein, monsieur. J'espère que c'est déjà. Mais j'y suis. Parfait. Magnifique. Il a compris ça tout seul. J'ai même pas eu besoin de lui dire. Vous avez vu, c'est incroyable. Les choses magiques qui se passent sur Code d'habitude Gaming, c'est incroyable. Antonin a pris une liste. Ah c'est beau. Ah, je viens d'entendre petit bruit de beefsteak. T'as eu mal? T'as eu mal au cul? Tiens, bouffe un morceau. J'ai récupéré qu'un caillou. Ah bah il fallait pas paniquer, parce qu'une fois qu'il t'a croqué, il refait un petit tour, puis après il revient de croquer. Hein tu gênes. Merci pour le pommeau de terre. Ah oui, c'est ça, Berge, merci. Ah, je peux refaire une brique. Top. Ça, c'est top. Attends, je vais faire des cordes. J'ai 20 feuilles. Ouais, bah fais des cordes, ou sinon donne-moi des feuilles, hein. Pas de soucis, hein. J'entrepose aussi. Tiens, prends la moitié de mes feuilles. Voilà, pas de soucis. Tiens, j'ai du plastoc par contre si tu voulais avant de plonger. Ah ouais, merci. Ah oui, alors. T'as combien de feuilles sur toi là? Si tu m'en as donné la moitié, ça veut dire que t'en as genre 50 sur toi. Là, j'en ai 26. Bah, 26, c'était à peu près la moitié. Incroyable. Et quand tu reviens, si t'as été sage, t'auras droit à une autre patate. Mmh. Je me fais biter. Je crois que le prochain coup, je meurs. Plute. Je vais remonter. Souké plute. Tiens, tu veux y aller? Par contre, il me faut ton crochet pour y aller. Ouais, pas de problème. Tu veux pas juste me filer le pic avant, s'il te plaît? Oui, tiens, voici le pic. Merci. Hop! Plouf! Mais du coup, ce serait pas intéressant de faire une voile? Si, si, c'est intéressant, mais c'est pas urgent en termes de matière première. On a des plus grandes urgences comme déjà agrandir parce que t'es gentil, la voile, la mettre. Mais la voile, elle te prend. En gros, elle empiète quasiment sur deux ou trois blocs en même temps. Donc tu vois, le requin, ça lui donne déjà beaucoup plus de marge. Mais putain, j'ai utilisé mon crochet. Il faudra que tu me refasses un crochet, monsieur. J'ai pété le mien. Ouais, ok, vas-y, je t'en fais un. Métal ou pas? Ah, métal, j'ai pas si. Non, t'auras pas. Hein. Voilà, je vais me faire niaquer un petit bout là. Ouais, j'entends ça. Là, il faut que je monte parce que je suis en train de perdre toute ma vie. Hop là, je suis pas mort. Tiens, monsieur, je te rends ton crochet. Voici 8 cailloux. Et une petite ferraille, c'est bonus, c'est moi qui offre. C'est ton parfum qui régale, comme on dit dans le milieu. Tiens, il y a ton pic là. Ah, merci. Et il y a la pomme de terre qui est cuite aussi. Ah, merci. Et est-ce que je peux avoir un croche? Ouais, attends, je voulais le faire, mais il me manque du plastique. Mais j'en ai un qui est cassé par contre. Ça te dérange pas? Ouais, vas-y, hein. C'est juste que j'ai vraiment plus rien pour graber un tonneau si jamais le besoin s'en fait ressentir. Attends, là il reste des trucs en dessous. C'est-à-dire bien que sûr, je peux me faire niaquer une fois? Pousse-toi. Oh, bonjour. Vas-y, je descends. Vas-y. Tu peux te faire niaquer deux ou trois fois avant de crever, mais après ça dépend de si t'es en train. Non, non, je suis un petit peu moins de midlife. Un petit peu plus de midlife. Donc, ouais, tu peux te faire niaquer à peu près deux fois. En sachant que là, fais pas trop le malin, parce que moi j'ai perdu déjà de la vie. On a perdu aussi. Attends, y'a le requin qui arrive. Hop. Ouais, y'a un petit requin qui arrive. Bon, t'as pu récupérer des trucs intéressants? J'ai récupéré d'autres pierres, je suis à 13, de l'argile. Un argile, c'est il faudrait et du métal aussi, un peu. Il faudrait un sable à la limite. C'est comment je récupère du sable? Bah en fait, t'en as déjà récupéré. L'argile, ça fait vraiment le petit caillou que tu voyais. Qui est vraiment couleur marronasse. Alors que le sable est plus jaune. Bah pour le coup, il est plus jaune. Et il fait plus justement petit tas de sable que forme de rocher. Je sais pas si je suis. Ok, bah attends, je vais aller voir. Je suis 3 quarts life. Comment ça fait combien ça fait de coups de requin? Tu patientes, on n'est pas pressé. C'est let's play de on a toute la journée après tout, non? Je suis pas pressé. Pressé toi? Moi je suis pas pressé. Pressé? Pressé? Ah, il vient de me faire niaquer. Ok, je vais mourir au prochain coup. Ça fait tellement un let's play de l'été que je vais sortir en plein hiver. C'est génial. Les choses sont bien faites, genre comme d'habitude. Jette ton sable. Oublié. Nice! Cool, top pistache. Ah bah c'est con parce que maintenant il va me manquer encore un sable pour refaire une brique. Ouais. Bah je te propose qu'en attendant, on monte. 1, 2, 3. Oh non, il nous manque vraiment un sable, mec. En tout cas, on ne part pas d'ici tant qu'il nous manque un sable. Parce que là. Ouais, en non, fait... mais je te propose qu'on monte rapidement. Ah oui, tu le truc pour que je puisse accéder à là-haut. On va glitchouiller. C'est parti. On va glitcher.
Et on va surtout se ramasser en essayant de sauter. Putain, je suis encore tombé. Je vais me faire niaquer. Voilà, le remix Mac Narfang. Vous y avez droit un peu de temps en temps. Ah, c'est pas tous les jours. Hein. Calmez-vous. Hein. Alors, on fait ça où? Alors, déjà, lui, tu pouvais l'avoir, je crois. Non, ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. Non, 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 j'ai essayé. Ceux que j'ai pas réussi côté... à voir. Ah, voilà, bah là, le petit côté Rocaille à Diallo, là. Ici, tu vas passer là. Tu vas passer là. Vas-y. C'est sur ma tête là, c'est... Ah oui, tiens, vas-y. Hop, attends, accroupis-toi. Je suis dessus. Vas-y. Ok. Hop, parfait. Je suis dessus. Nice. Régale-nous, bah, si régale-toi. Prends-nous tout ce qu'il faut là. Voilà. Mm. En plus, je peux même. Ah, par contre, j'ai plus de temps pour faire cuire des patates, donc je vais pas tarder à te remettre. Attends, je vais te. Attends, je vais te lancer des planches du haut. Non, non, me lance pas des planches, me lance pas des planches. Mec. Non, 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 non. Tiens, attrape. Prends ton temps. Non, je. Non. Oh putain, parce qu'elles peuvent, elles peuvent dépop. Hein. Alors, oui, tu sauras que le jeu a un taux de dépop assez infâme et qu'en fait, je ne peux plus sauter, mec. Je crève de faim. Donc finis ce que tu fais, récupère tes planches tout de suite, récupère tes planches tout de suite. Sinon elle dépop. J'y vais. Elle dépop en 60 secondes. Non, mais non, mais ce que tu m'as jeté, faut les récupérer. Oui, sinon, oui. Ça dépop. Mais j'en ai jeté genre 5. Ouais, bah 5 elles vont dépop. Et 5 planches, on en a besoin. Le mec, genre on est trop riche en planches quoi, calme-toi. Mais va les chercher tout de suite, tes arbres ils vont pas dépop. Tes planches elles vont dépop. Allô. Oui. Oh le mec. Récupérer, c'est bon, je sais. Voilà, youpi. C'est bon. Maintenant, tu peux venir, tu vas les déposer. On n'est pas dans un speedrun. Vas-y. Voilà. Parce que je veux manger. Il manquait rien en plus. Voilà. Une fois que j'aurai mangé, je peux te faire remonter. Voilà. J'ai mangé. Non, mais c'est bon, j'ai tout ramassé du coup. T'as tout pris du coup. Ok, d'accord. J'ai vraiment fait Crevarman quoi. Crevarman, le plus grand de tous les zéros. Hein. Récupérer cette flotte, la mettre là. Parce que moi, il faut te dire que je suis toujours bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Il y a une brique sèche là. Vas-y, je le récupère. Hop. Bah, il va falloir que j'aille chercher un sable. Ah, c'est l'apéro. Ah, on a entendu, c'est l'apéro. Hein. Attention, Antonin. Antonin est un bourrin. Hein. Antonin, il picole bien. Il n'est pas que gondorien dans ses heures perdues. Ah, c'est bon, j'ai trouvé mon sable. Hop, j'ai pété mon sable. Je remonte pour de nouvelles aventures. En espérant ne pas me faire niaquer avant d'atteindre le truc. Zblu ! C'est bon, je suis vivant. Ah, il faut que je repose un pilier, c'est ça ? Pour... Attends, tu veux faire quoi déjà ? Chut, bah, je veux agrandir la plateforme au-dessus. La plateforme du dessus. Ah oui, il faudra que tu reposes un pilier. Sauf que, n'oublie pas qu'un pilier c'est 4 tours. Donc il faut d'abord que t'agrandisses autour. Mais non, parce que je pensais genre le mettre là le pilier, ici. Ouais, bah c'est ça en fait. En gros, il faut que tu le mettes au pied du barbecue. Ah, je peux pas parce que le barbecue est emmerdant. On peut retirer un barbecue ? Pique. Par contre, on perd. Sache que quand tu fais ça, on perd. J'ai plus de pique. Donc il faut en refaire une. S'il te plaît. On perd la planche qui est dessus si jamais tu fais ça. Sache-le. Ah oui. Mais voilà. Non, mais vaut mieux perdre une planche que de la nourriture. Voilà, oui, mais je te dis que ce sera pour tout. Si jamais, par exemple, j'avais posé là un steak de requin dessus, si tu l'enlèves, tu perds le steak de requin et les planches. Donc voilà, là on s'en fout, c'est une planche, normalement t'as un peu de bois. En sachant que très important, monsieur, et assez urgent à faire, c'est de faire le grand carré de terre. Et le carré de terre intermédiaire, les deux carrés de terre qui nous manquent. J'explique pourquoi, le carré de terre intermédiaire, c'est celui qui va me permettre de mettre toutes les graines d'ananas, de planter toutes les graines d'ananas et de pastèque, et le grand va nous permettre de planter un arbre sur le radeau. Alors je peux fabriquer le grand, mais pas le petit, parce que le petit manque de la ferme. Fabrique le grand, ma gueule, et mets-le au-dessus. Hop, eh. Mets-le au-dessus. J'ai parce plus que... de. Je peux pas le poser, je le vois pas apparaître. Ah ouais, mais j'ai pas la place pour le poser aussi. Pas la place pour le poser? Bah pose-le en bas. Non, et j'ai plus de bois du coup avec ça. Pose-le que j'ai fabriqué. Par contre le poser en bas, ouais, mais où? On peut pas. Mais attends, je pourrais agrandir. Ouais, tu pourras agrandir donc. Sinon déplace. Attends, voilà. Sinon déplace. On déplace. J'ai plus de bois hein. Attends. Regarde, je prends lui là, le lit. Pas, je vais le mettre là-haut.
On a vraiment besoin qu'il soit en bas? C'est impératif, genre? Genre, c'est impératif? Non, non, on peut le mettre sur une planchouille, là. Tu vas sur une planchouille, ma gueule. Voilà, là, il est sur une planchouille bien dégueulasse. Il est parfait. Hop, regarde, je prends... Requin. Tu vois, je prends le non. Petit truc à manger, là. Ah. Je viens le placer. Oh, attends, là. Je vois le pixel. J'ai le pixel. Bouge rien. Ça y est. Oh là là, c'est incroyable. Range au pixel. Les mecs ils rangent au pixel. C'est magnifique, c'est beau, du coup je crève de faim pour. Oh mais c'est un truc pour faire des mangues. Oui, des arbres. Ah ça mange. Je peux planter tout ce que je veux, manguer. Ouais, à force de pas réparer, va falloir qu'on se tire d'ici parce qu'on a plus de bois. Ouais mais j'ai plus de bois. Ouais bah on se tire d'ici, hop. Voilà, on est parti. Attends, tiens, ça c'est peut-être important pour toi. C'est quoi? Vas-y. Des graines, ah bah oui, un peu oui. Oh attends, donne-moi la colle. La substance visqueuse tu veux, c'est ça? Ouais, je l'ai ramassé, c'est bon. C'est bon, tu l'as eu. Étudié. Ok, cool. Est-ce que j'ai étudié tout ce que j'ai dans mon inventaire? Oui, apparemment. Par contre, je peux plus rien faire. Allô, je meurs, donc il y a que toi qui peux ramasser des trucs autour. Voilà, je t'informe. Ah oui, pourquoi? Je t'informe. Parce que je suis en train de mourir, de faim. Parce qu'il n'y a plus de planches là-dessous. Tiens. Et qu'on peut plus rien manger. Ça fait 3-4 heures que je crève de faim et que tu ne me donnes rien. Efficace comme garçon, bravo. Je peux split ou pas ce que je sélectionne? Non, je crois pas. Je crois pas. Ok, il me reste 5 mangues si jamais. Ok. Il faut qu'on récupère de la planchouille. Ouais, il y a un tonneau là. Ouais. Il n'y a pas toujours de la planchouille dedans. Ce que je trouve d'ailleurs très triste. Hein. Une fois que tu récupères un tonneau, tu fais il n'y a pas de planche dedans. Ton tonneau il est fait en quoi? Dis-moi en quoi est fait ton putain de tonneau. Je veux l'info. On arrive vraiment au bout. Hein. Là, c'est le dernier verre d'eau que je fais cuire. On peut plus rien faire cuire. C'est la mort. C'est la mort finale. T'entends la cloche de minuit qui sonne. Il t'annonce que c'est la mort. L'inverse de la vie. Hop. Je plonge. Je prends le bout de plastique. Je rush. Oh, c'est bon. J'ai sauvé. J'ai mis une planche sous le truc à nourriture. Cool. Top pistache. J'ai pensé que ce serait peut-être la priorité. Alors. Exact. Ah, mais le crochet en fer va plus loin que le crochet. Ouais. Eau fraîche requise. C'est parti. Un petit peu de flotte. On arrive sur plein de tonneaux. T'as un crochet ou pas toi? Bah ouais, du coup j'ai ton crochet endommagé, mais j'ai. Mec, okay. Regarde vraiment autour, hein, faut pas laisser passer une planche. Hein. C'est vraiment. Mais oui, non, mais c'est. Attention. Il y avait une planche juste à côté. C'était moche. Je vais même plonger pour récupérer celle-là. Tac. Pour économiser mon pas de crochet. Ah, salut. Ibit. Ouais, faut que tu me refabriques une encre, hein, parce que si jamais lui je le tue au milieu de l'Atlantique, hein, ce coup-ci, je vais récupérer sa tête. Elle sert à rien, mais je veux la récupérer. Alors elle ne sert pas exactement à rien, attention. Elle sert tout de même à faire quelque chose. Attends, j'ai remis... C'est bon, j'ai tout remis ce qu'il nous fallait. Okay. Alors, faut refaire une encre, hein, c'est ça? Ouais. Il me manque... Ah bah non, il me manque rien, vas-y, c'est bon, je l'ai. Le mec est tout le temps en train de se plaindre. Il me manque, il a pas encore regardé, il lui manque déjà quelque chose, quoi. Incroyable, quoi. C'est magique de râler autant. Tu prends le plastique, hein, et les planches, on est d'accord, hein, pour rattraper un peu ce qui est derrière en train de se faire bouffer. Puis devant aussi, hein, ça sera intéressant. Je suis obligé d'être accroupi pour pouvoir poser... Alors moi, je vais préfabriquer de la corde, parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de cordes. Ouais. Oui, je viens de comprendre ce que tu disais par le tonneau... Ne donne pas de bois. Il m'a donné que du plastique. Ah, t'as kiffé ou pas? Est-ce que t'as kiffé un peu? Ah mais du coup je peux... Attends, non, t'as déjà ton encre, hein, c'est ça? Ouais. J'ai pensé à la faire. Tiens monsieur, viens voir papa. Et kiffe la vibes. Voilà. Merci. Il y a un plastique aussi. Ouais, j'arrive. Je te le filerai plus tard, sinon. Je te le filerai plus tard. On est pas pressé. Avec ce que je viens de te donner, normalement tu peux déjà fabriquer quelque chose, monsieur. Qui s'appelle une fonderie. Quoi? Ah. Requin. Ce qui va nous faire changer non, considérablement d'âge technologique. Ce que je propose, c'est, comme je sais pas quelle taille elle fait, c'est d'essayer de la poser au-dessus, non? Ouais, tu devrais pouvoir la poser bah, juste là où il y a l'échelle. Ok. Normalement ça va, ça devrait passer.
Ah et non, il me manque des clouilles. Des clouilles, mais normalement t'as de quoi les fabriquer les clouilles. Et il va me manquer un de ferraille. Une ferraille? Ah oui, donc ouais. T'avais vraiment zéro ferraille quoi, t'avais plus rien. Tu vois comme quoi les îles faut les farmer hein. Parce que là, à moins de tomber sur un tonneau, sinon on n'a pas de ferraille. Oh yeah. Y'a un... Oh, faut pas gagner jusque là-bas. Oh, ça aucun, c'est mort, faut pas gagner genre trop loin. Mais je vois qu'il y a un tonneau sur la gauche là-bas. Ouais, y'a pas qu'un tonneau, y'a aussi un... À droite, y'a un... Y'a un truc qui peut nous servir là. Un radeau. Mais pagaye pas, on va dans cette direction là à peu près, non? Pas tout à fait. Il est... Ah il est non, vraiment... on va vers la gauche. Regarde, t'as vu comment... Il est loin quoi par ouais. Rapport au flot de Sam quoi. T'as pagayé, elle se casse vite ou pas vite? Ouais, disons que une autre. Disons qu'une fois qu'on dissera, ça serait bien que j'en ai une autre après. Parce que celle-là, à mon avis, elle peut pas tarder à claquer dans mes doigts. Bah tiens, regarde derrière toi. Non, garde-la pour l'instant, je pagaye. Je peux pas relâcher en fait. Quand tu pagayes, tu peux pas relâcher. Parce okay. Qu'en fait, il fait des petites pauses quand il pagaye et quand tu vas à contre-courant, tu recules vraiment beaucoup en fait. Pas lâcher. Il est où le truc à ramasser? C'est le truc qu'on voit là à gauche? Non, c'est le truc qui est dedans. Bleu? Ouais, bleu. Oh, mais il y a d'autres tonneaux là-bas. Attends, il y en a juste un là. Est-ce que je peux l'avoir? Non, j'ai chié. Bon. Mais vas-y, va récupérer le tonal. Ok, j'ai récupéré la caisse bleue. Hop, j'ai de la ferraille. Parfait. Magnifique le destin. Le destin. Du coup, j'ai la fonderie. Et du coup, je la mets en haut. Hein. Tiens, j'ai. Alors, j'ai. Attends, je te rends. Parce que. Ouais, voilà, prends tout ça là. Attends, je suis Master Pixel. Ah, mais je peux pas la poser en haut, c'est une blague. Ramasse d'abord ce qui est par terre. N'oublie pas que ce qui est par terre est prioritaire. Sinon, ça disparaît. Voilà. Donc, poser. Ce qui est par terre d'abord. Oh, c'est quoi? Ce qui est par terre d'abord. T'as posé quoi là? T'as récupéré ce qui était par terre? Allô? Attends. Allô? Allô Antonin? Antonin! T'as dit qu'est-ce qu'il y a? Le monde de rien! Ça. Laisse. T'as ramassé ce que j'ai jeté par terre? Quoi? Allô? Oui, fromage de chèvre? À première vue, c'est Discord qui merde. Hein. C'est parti. Oui. Ouais, vite ta vie! De toute façon, cet épisode est beaucoup trop long. Mais on s'en fout. Vas-y, je remets de l'eau direct. Ici, c'est pas Squeezie Gaming. Voilà. Et donc, les let's play ont le droit d'être beaucoup trop chers. Ah, ça beat. He's beating. Je peux pas la. C'est quoi ça? Laisse, c'est mon encre. Tu ne touches pas. C'est l'encre? Oui, tu ne touches pas à mon encre. Mais. Comment mec, y a des trucs à ramasser autour, tu vas arrêter ton focus débilos ou en fait à un moment donné ou pas? Voilà. Je pense pas. Formidable. Bon bah je plonge alors. J'en ai marre, je me casse. Wow. La physique de ce jeu n'est pas encore au point. Voilà. Et n'hésite pas à renforcer le radeau dès que tu vois que tu peux. Ouais, bah vivement qu'on ait le grand barbec hein. Allô? Ah, on a perdu Antonin. Antonin est mort. Tonneau en face, arc ça. Ah mais non mais t'as pas mis le plastique dans les trucs à étudier. Voilà. Viens chercher des trucs là-haut aussi. Dès que t'as un moment. On a appris quelques petites recettes. Vite fait. Comme ça. Voilà. Et tu pourras donc toutes les apprendre. Gratuitement. C'est moi qui te les offre, ça me fait plaisir. Wouh! T'as failli te faire niaque. Ouais. Je vois rien là. C'est bien dommage. Oui, Nathan Henry? Oui, allô? Bonjour?
Discord ne marche plus. T'es dégoûté. Est-ce que tu m'entends? Je crois dans le que jeu, Discord est en train de mourir. Oh là là, c'est incroyable. Antonin, est-ce que tu m'entends? Discord meurt. Oui. Oui. Dis au revoir. En parlant, je t'entends, hein. Je t'entends, pas toi. Enfin, si. Merde, voilà. Voilà, c'était formidable. Bah, on vous remercie, c'était Knarfong et Antonin. Fait du boudin sur Comme d'habitude Gaming. Voilà, et on vous dit bah, à la prochaine, hein, pour un nouvel épisode de Rafting. Voilà, des bisous.